Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer tenue en visioconférence lundi le 1er juin 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonquart, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de monsieur Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général monsieur François Renaud et la greffière madame Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant l'arrêté ministériel autorisant les élus à participer aux séances par tout moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence, et qu'ils sont maintenant autorisés à délibérer et à voter par tout moyen de communication, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 1er juin 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h31. Alors, merci, Mme Roussel. Bonsoir à tous, à tous les gens qui nous suivent là, par les médias sociaux maintenant, encore pour un temps. Alors, à 3.1, adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Pajot. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais Mme proposer. Couton. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Oui. 5.1, les comptes généraux au 31 mai 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 mai 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. Oui. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est pour un montant de 310 562 et 2. Et je vous fais la lecture des principaux comptes de 5 000 et plus, comme à l'habitude. Alors, on a la Société d'avocats Morancy pour 8 468 et 5 pour des honoraires de recouvrement et dossiers généraux. On a une dépense de 29 687 et 34 pour la collecte résidentielle et commerciale. 13 883 et 23 pour les honoraires pleins et débits du lien piétonnier pour relier la rue Pichette au centre Olivier-Letardy. Joe Drouin et fils, 9 834 et 52 pour divers travaux de plomberie, entre autres à l'usine d'eau potable. Achat d'aluminium, d'hydroxychlorure d'aluminium pour l'usine d'eau potable au montant de 8 956 et 9. Nous avons également 18 130 et 76 avec la firme Charles Trudel Incorporé pour le balayage printanier des rues. Des bridaux qui ont coûté la somme de 5 369 et 43 pour l'achat de pierre et les heures de pelle et transport de matériaux là, avec la compagnie déneigement Daniel Lachance. 5 599 et 29 pour la location de conteneurs à l'éco-centre. Et les frais d'électricité de 8 742,55 et les assurances collectives dernièrement au montant de 6 359 et 70 pour le mois de mai 2020. Alors, 5.2, annulation d'une facture. Alors, considérant la facture TPF 1903009 de 2019 pour le matricule 6214-1417, considérant qu'en date du 10 mars 2020, la Ville recevait de la firme Bouchard Avocat, le juriste conseil, une mise en demeure en contestation judiciaire. Considérant la résolution 2020-0604-095 du président conseil octroyant un contrat à maître Martin Bouffard relativement à un avis juridique pour ce dossier. Considérant que certains points sont défavorables à la municipalité advenant à la contestation judiciaire devant les tribunaux. Alors, considérant qu'une telle poursuite engagerait plusieurs dizaines de milliers de dollars en frais de toutes sortes devant les tribunaux sans pour autant obtenir le résultat escompté. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Caron et c'est résolu à l'unanimité des conseillers pour que le conseil municipal de la ville de Château-Richer annule la facture numéro citée plus haut en contrepartie d'une entente de renonciation en nullité de la réglementation de la Ville, ainsi que tout recours en dommages et intérêts à l'encontre de la Ville. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 5.3, refinancement d'un montant de 11 415 relatif à un emprunt échéant le 16 mars 2020. Alors, ça, c'était des travaux qui ont eu lieu pour les eaux usées dans la rue Filion. C'est un montant de 11 415. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé.
proposé par M. Bourgeois. Et c'est pour reconduire le prêt pour un terme de 5 ans au taux de 3,84. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Merci. Alors, suivi des dossiers au point 6, alors il y a 4 dossiers à laquelle je veux faire un bref suivi. Évidemment, le bilan de la COVID-19, la Côte de Beaupré, c'est très stable. On a, en date d'aujourd'hui, on a eu le dernier appel téléphonique avec la santé publique de la Capitale-Nationale. Nous avons 36 cas qui ont été confirmés depuis le début sur la Côte de Beaupré et 24 en sont guéris. Alors, il y a 12 personnes qui sont en processus de guérison. Les cas sont principalement regroupés dans deux villes, Bois-Châtel et L'Ange-Gardien. Là. Et une information importante que nous avons eue la semaine passée, c'est que selon le docteur Desbiens, il n'y a eu aucun cas de transmission communautaire dans la région de la Capitale-Nationale. Je vous parle en date de la semaine dernière. Alors, c'est excellent. Je pense qu'il faut que ça continue dans cette forme-là d'évolution. Et puis, tant qu'à l'Hôtel de Ville, bien évidemment, nous avons réouvert l'Hôtel de Ville il y a 2 semaines, ou à peu près 2 semaines, là, et ça se passe très bien. Les postes de travail des employés ont été sécurisés, évidemment, beaucoup d'endroits pour se laver les mains. Et on a installé un système d'intercom à l'Hôtel de Ville avec... où les gens qui veulent venir nous visiter pèsent sur un bouton et puis, évidemment, la coordonnatrice peut demander qui est là. Elle voit aussi par caméra qui est là. Et on va faire entrer les gens un à un. C'est-à-dire qu'une personne va entrer. Vous savez comment c'est placé l'Hôtel de Ville pour ceux qui sont venus. Là, c'est impossible de respecter une distanciation de 2 mètres entre les gens qui rentrent et qui sortent. Alors, la façon de procéder, c'est qu'une personne entre et dès qu'elle est sortie, l'autre personne va... aussi appeler la coordonnatrice là, par le petit bouton et elle va pouvoir entrer à l'Hôtel de Ville. Alors, ça, à date, ça se passe très bien. Ça fait quand même 2 semaines que c'est installé. Ça se passe très bien. Les gens sont satisfaits et les employés sont satisfaits aussi du système. Alors, tout ceci, évidemment, pour respecter les mesures imposées par le gouvernement de distanciation sociale, entre autres. Au niveau du camp de jour, on a eu les façons de faire dernièrement, évidemment, on a pris les décisions qui sont en relation avec ce qui nous est imposé. Alors, il y a eu quelques personnes ont été déçues de la façon de procéder. Là. C'est évidemment que la procédure qui nous a été demandé de faire, c'est d'y aller par date d'inscription, comme par avant. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, de façon générale, les gens sont contents. Là, on a eu deux personnes là, qui ont manifesté leur mécontentement, mais on y va avec la procédure qui nous est demandée. Et puis, il y a peut-être 2 décisions aussi que nous avons prises. C'est celle de faire fonctionner le camp de jour 4 jours sur 5 plutôt que 5. Et la raison est la suivante, c'est que avec ce qui nous est imposé, entre autres, les animateurs doivent questionner à chaque matin un des deux parents ou la personne qui va venir porter l'enfant ou les enfants au camp de jour. Et cette personne-là devra passer toute la journée avec son groupe, alors qu'il soit de 4, 5, 6 ou 10 personnes. On ne peut pas avoir de croisement d'enfants dans les différents groupes ou même on ne peut pas changer d'animateur pendant la journée. Alors ça nous amenait un défi d'horaire avec les animateurs, c'est-à-dire que pour respecter, vous savez qu'avant le début du camp de jour, évidemment, il y a comme un service de garde qu'on offre tous les ans pour permettre aux parents de laisser leur enfant et pouvoir se rendre par la suite à leur travail à l'heure voulue. Mettons 8 heures, mais il fallait laisser les enfants vers 7 heures, 7 heures et quart. Alors, si on avait fonctionné sur 5 jours, on imposait à nos animateurs de faire des semaines de 50, un petit peu plus de 50 heures par semaine. Alors, c'était trop pour des enfants. C'était pas, on aurait eu évidemment une vague de démission à ce niveau-là. Et alors, on a pris la décision d'y aller sur 4 jours. Oui, ça donne une journée supplémentaire où les parents devront rester avec les enfants, mais par contre, pour les 4 autres journées, ils ont l'entière liberté d'aller travailler et de revenir à l'heure qui leur convient. Alors, ça, c'est une chose. Et évidemment, on ne peut pas non plus fournir de transport scolaire pour la raison de distanciation sociale, mais surtout parce qu'à tous les matins, l'animateur qui s'occupe des enfants doit questionner les parents. Mais ça, c'est crucial selon la santé publique. Et la seule façon de le respecter, c'est que
les parents viennent reconduire leurs enfants et les chercher après la journée. Alors, pour cette raison-là, il ne sera pas possible de fournir un transport pour le camp de jour. Alors, évidemment, le dernier point, mais si je pense, c'est de rappeler à tous les citoyens que les feux à ciel ouvert ne sont pas permis. Vous savez qu'il y a environ 2 semaines, on a eu 3 feux dans la même journée et qui ont mobilisé énormément de personnel. Nous, on avait 18 pompiers dans le feu en haut, dans le rang Saint-Ignace. Puis juste avant, il y a eu un feu à la limite de Châteauroux, Ange Gardien, un chalet qui a brûlé. Et aussi un feu d'herbe, là, sur, quelque part sur la rue Royale en même temps. Alors, c'était une très grosse journée qui a mobilisé énormément de personnes et tout ça dans un moment où il n'était pas permis d'allumer des feux. Et il est difficile de comprendre autrement que ces feux-là sont d'origine humaine. C'est une journée ensoleillée avec pas d'orage. Alors, s'il vous plaît, on suit les recommandations et on fait attention. Alors, 7.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 19 mai 2020. Et sur ce, je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, 7.2, nomination sur le comité consultatif en urbanisme, c'est des renouvellements de mandats. Alors, je propose que le conseil approuve le renouvellement des mandats de messieurs Michel Barry, Hugo Mercier et Charles Larochelle comme membres du comité consultatif d'urbanisme pour une période supplémentaire de 2 ans. À partir de 7.3 jusqu'à 7.11, nous avons reçu 9 dossiers au comité consultatif d'urbanisme le 19 mai dernier qui ont trait au PIA. Alors, je vous donne les dossiers. Alors, on avait une demande pour un changement d'une porte, d'une fenêtre et d'une portion de revêtement extérieur au 79-25 Avenue Royale. On a vu 4 demandes pour la construction d'une remise en cour arrière au 6 rue de la Promenade, 18 rue de la Promenade, 110 Montée du Parc et 122 Montée du Parc. La construction d'une résidence unifamiliale isolée au 4 chemins du Boisé. Installation d'une enseigne commerciale agricole au 83-87 Avenue Royale. La construction d'un bâtiment de détente en cour arrière au 82-96 Avenue Royale. Et la construction d'un garage ayant une partie de structure en conteneur maritime en cour arrière au 1383 route de Saint-Achille. Alors, le CCU a émis une recommandation favorable pour tous les dossiers, certains avec des commentaires. C'est pourquoi je propose que le conseil municipal autorise les propriétaires à faire les travaux en tenant compte des commentaires émis par le CCU. Alors, merci, Mme Pajot. Alors, au point 7.2, est-ce que tout le monde est en accord pour reconduire les trois, le personnel du CCU? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Et pour tous les autres points concernant les demandes, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, alors c'est aussi adopté à l'unanimité, Mme Roussel, de 7.3 à 7.10, 7.11 inclusivement. Alors, 8.1 et 8.2, je laisse la parole à Mme Cochon. Oui, au point 8.1, camp de jour 2020, nomination d'employés pour la saison estivale 2020. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-0405-113 lors de la séance du 4 mai dernier autorisant l'embauche d'employés pour la tenue du camp de jour, considérant que ce camp nécessite l'embauche d'avantage employés, considérant le processus de sélection effectué, considérant la recommandation positive du comité de sélection, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche du personnel suivant, et ce pour la durée du camp de jour 2020 et selon la grille salariale en vigueur. On a Samantha Leclerc, animatrice, Léandre Dufour, animateur, Élie Ouellette, animatrice, Xavier Lemieux, préposé à la désinfection, et aussi de prendre acte de la démission de Miguel Demers de Blois. Que ces embauches soient autorisées sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie COVID-19 qui sévit actuellement. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci, Mme Cochon. Le 8.2. Amendement à la résolution numéro 2020-0405-114. Considérant l'adoption de la résolution
2020-0405-114, autorisant la directrice des loisirs de la culture à se rendre au palais de justice afin de procéder aux vérifications des antécédents judiciaires des employés reliés au camp de jour, considérant que c'est plutôt la Sûreté du Québec qui procède à ces vérifications. En conséquence, je propose que la Ville autorise Mme Marie-Michèle Thibault à faire les vérifications auprès de la Sûreté du Québec afin de vérifier les antécédents judiciaires de chaque employé relié au camp de jour. Que la résolution numéro 2020-0405-114 soit amendée. Alors, tout le monde est en faveur. C'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, maintenant, les points 9.1, 10.1, 10.2, 10.3 vous seront présentés par M. Tremblay. Alors, 9.1, nomination au poste d'inspecteur municipal. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-0405-113 prenant acte de la démission de M. Alec Hollister DiMello en tant qu'inspecteur municipal, considérant l'offre d'emploi affichée publiquement pour combler ce poste, considérant le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de Mme Camille Girard-Dionne, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Camille Girard-Dionne à titre d'inspectrice municipale. Alors, tout le monde est en accord? Oui. 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 Unanime, Mme Roussel. M. Tremblay. 10.1, désignation de l'inspecteur municipal dans le cadre de la résolution C2019-26 de la communauté métropolitaine de Québec, la CMQ. Considérant que le territoire de la ville de Château-Richer est bordé en partie par le bassin versant de la rivière Montmorency, source d'eau potable dans les bassins versants, considérant que la ville doit désigner un ou des fonctionnaires pour administrer la résolution en question adoptée par la CMQ, en conséquence, je propose de demander à la CMQ d'ajouter Mme Camille Girard-Dionne à inspectrice générale dans le cadre de la résolution C-2019-26 de la CMQ pour assurer l'administration de la dite résolution. Et c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 10.2, désignation de l'inspecteur municipal en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Considérant que depuis le 12 août 1981, les municipalités ont l'obligation d'appliquer le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. En conséquence, je propose de désigner Mme Camille Girard-Dionne en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et qu'elle soit responsable de recevoir et traiter les demandes de permis de construction et de rénovation, et d'assurer suivi des plaintes relatives à la réglementation d'urbanisme et des nuisances. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 10.3, désignation d'inspecteur municipal aux fins de l'application d'une série de règlements, considérant l'adoption du règlement 429-11 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec. En conséquence, je propose de procéder à la nomination de Mme Camille Girard-Dionne, inspectrice municipale, afin qu'elle soit autorisée à entreprendre des poursuites légales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement numéro 429-11 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. De procéder à la nomination de Mme Camille Girard-Dionne, inspectrice municipale, afin qu'elle soit autorisée à entreprendre des poursuites légales contre tout contrevenant à toute disposition des règlements et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin en regard d'une série de règlements, dont le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur la gestion des règlements d'urbanisme et finalement, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, il n'y a pas d'opposition. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Monsieur Caron, je vous laisse la parole pour le point 10.4. 10.4, chemin de fer Charlevoix, entretien des fossés. Considérant que le chemin de fer Charlevoix est propriétaire de plusieurs terrains sur le territoire de Château-Richer, notamment de plusieurs fossés qui nécessitent un entretien régulier
afin de prévenir les refoulements des eaux de surface, considérant le programme d'entretien des fossés mis de l'avant par Chemin de fer Charlevoix, considérant que certains fossés ont été inspectés et qu'il y a plusieurs problèmes d'écoulement des eaux de surface le long de la voie ferrée dus à une mauvaise évacuation des eaux, considérant que cette inspection démontre un risque inhérent de refoulement d'égouts de surface derrière plusieurs propriétés, considérant qu'il devient impératif de remédier à ce problème et d'effectuer un entretien prioritaire. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Château-Richer demande à l'entreprise Chemin de fer Charlevoix de réaliser prioritairement en 2020 les travaux nécessaires pour creuser prioritairement les fossés situés aux endroits suivants. Entre la rue Huot et la rue Bourque, de chaque côté de la rue Fulion, entre la rue de la Station et la rue Dic, tout particulièrement en arrière du 82-85 Avenue Royale, entre la rue Laplante et la rue Réaume, entre la rue Lemoine et Décines. Que la copie de la présente résolution soit transmise à Mme Caroline Desbiens et Mme Émilie Foster, députée provinciale et fédérale de notre circonscription. Alors, c'est unanime, adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Merci, M. Caron. Alors, 10.5, réfection des rues Pichette, Coteau, Coin-Joli et d'une portion de la rue du Couvent, autorisation de lancement d'un appel d'offres public. Alors, considérant l'adoption de la résolution 2019-0508-214-02-03-048 relative au contrat octroyé à la firme Sima Plus pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et débuts relatifs aux travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli. Considérant la finalisation des plans et devis aux fins de soumission, considérant que le conseil municipal est en accord et souhaite réaliser les dix travaux, considérant la demande d'aide financière déposée au programme FIMO, considérant les sommes disponibles dans le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, considérant que le conseil de ville de Château-Richer juge opportun de combiner les travaux avec la finalisation des travaux de la rue du Couvent. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Vous avez proposé. M. Caron, et que pour autoriser le directeur général à procéder au lancement d'un appel d'offres public dans le but de réaliser les travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau Coin-Joli, en plus de la rue du Couvent, secteur ouest et la descente jusqu'au la rue Royale. Alors, est-ce que c'est adopté? Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, 10.6, réfection du revêtement de la toiture du centre Olivier-Letardy, autorisation de lancement d'un appel d'offres par voie d'invitation. Alors, nous avons eu la mauvaise surprise d'infiltration d'eau par la couverture. Alors, elle était vraiment en fin de vie. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Caron, afin d'autoriser le directeur général à procéder au lancement d'un appel d'offres par voie d'invitation dans le but de réaliser les travaux de réfection de revêtement, du revêtement de la toiture du centre communautaire Olivier-Letardy, et que le conseil municipal autorise aussi le directeur général à déposer une demande de subvention pour la réfection de la toiture du centre communautaire dans le programme RICIM. Est-ce que j'ai l'accord de tout le monde? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, 10.7, changement des heures d'ouverture à l'hôtel de ville pour la saison estivale 2020. Alors, comme tous les ans, on a beaucoup moins de fréquence citoyenne à l'hôtel de ville. Alors, c'est que le conseil municipal juge opportun de changer les heures d'ouverture à l'hôtel de ville durant cette période, étant donné la baisse moins importante de chalandage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois. Oui. M. Bourgeois, afin d'autoriser le changement des heures d'ouverture à l'hôtel de ville à partir du 22 juin 2020 et qu'à cette date, l'hôtel de ville soit fermé à partir de 15h30 les vendredis et à partir de 16h du lundi au jeudi, jusqu'au 4 septembre 2020. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Et évidemment, mais peut-être au niveau de la période des questions, on avait incité les gens à nous poser des questions sur les sujets proposés à l'ordre du jour. Et c'est important, je pense, de mentionner que d'envoyer vos questions à greffe@châteaurichet.qc.ca, Château-Richer tout d'un mot.
pour qu'on puisse bien les identifier. On en a eu une qui a été retracée par hasard sur notre page Facebook. Et c'est une dame dont je n'ai pas le nom, là, mais qui nous demande où en est le programme de vidange, la prise en charge des vidanges de fosses septiques par la ville. Alors, c'est un projet que nous avons en cœur. C'est un projet qui va bien, dont nous travaillons sur le règlement là, activement depuis le début de l'année. En fait, le règlement est écrit. Le règlement a été fait là, par notre service d'urbanisme au courant de l'hiver. Il a été présenté à moi et à M. Renault. Il sera présenté au conseiller là, dans un avenir immédiat. Ce règlement-là, en fait, là, il va rester, après la présentation au conseiller, il va rester une vérification de son application par un juriste. Et nous visons la mise en service pour le début de 2021 dans tout le secteur qui est au nord ou en amont de l'usine d'eau potable. Je pense que c'est important de procéder avec un règlement comme ça à Château-Richer. Plusieurs villes maintenant le font. De cette façon, on s'assure que les installations sont conformes, on s'assure qu'il y en a des installations, puis on s'assure aussi qu'ils sont entretenus là, périodiquement, c'est-à-dire pour une période sur deux ans, là, à tous les deux ans, là, pour tout ce qui sera en amont de l'usine d'eau potable. Alors, il y aura aussi une consultation publique, une réunion d'information là, qui devait avoir lieu. Je pense que c'était planifié fin juillet ou début août là, par le service d'urbanisme avec tous les citoyens concernés en amont de la rivière, de la prise d'eau potable. Et malheureusement, avec la pandémie, ceci va se faire, ça va se faire pareil, mais de façon différente. Là, les médias sociaux seront utilisés là, pour à cette fin là, pour faire une consultation et séance d'information pour les citoyens. Alors, voilà ce qu'il y en est. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Proposé. Proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord. C'est adopté de l'unanimité, Mme Roussel. Alors, merci et bonne soirée à tous.